Salut à tous et à toutes, c'est Max Lucas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'ai commencé la vidéo, mais je l'ai commencé un peu trop tôt. Du coup, je vous tourne celle-là au moment où je fais le montage de cette vidéo, justement. Je vais vous parler dans cette vidéo du tome 8 de Assassination Classroom, du manga. Et je voulais vous dire que j'avais pris le 9, mais que je ne l'avais pas encore commencé et que j'allais bientôt. Voilà, vous allez voir la suite, vous allez comprendre. Et puis, ben moi, je vous dis bon visionnage et désolé pour cette petite interruption. Je vais bientôt m'y mettre et je vais vous parler de celui-ci, du 8e de Assassination Classroom. Donc, que dire déjà, la petite pochette de protection. Hein, bien sapatoche, bien sûr. Hein, 6,95 € qui m'a coûté. Bien sûr, le 9e, petite parenthèse, est un peu plus cher. Je l'ai payé 7,10 €. Voilà, ils ont augmenté de quelques euros. Voilà. C'est pas trop énorme non plus. Donc, je vais retirer ceci. Et comme vous pouvez le voir, donc vous avez la couleur ici de là. Moi, j'appelle ça une jaquette. Je sais pas c'est quoi le nom, mais moi, perso, j'appelle ça une jaquette. Donc, je vais appeler ça une jaquette. Mais moi, j'appelle ça plus un truc de protection. Enfin, bref, je crois que ça s'appelle une jaquette. Donc, vous avez celle-ci. Et alors, celle-ci, je la trouve un peu stylé aussi. Ça, c'est la couverture du livre de l'avant et il y a aussi l'arrière que je trouve stylé. Voilà, donc je le laisse dans sa protection. Et voilà, l'histoire, je l'ai lue, elle m'a fasciné, elle m'a vraiment fasciné. Après, c'est des passages qu'il y a dans la série, forcément, je vais pas vous spoil tout ce qu'il y a dans le livre. J'ai évité tout spoil pour ceux qui n'ont jamais vu Assassination Classroom et qui voudraient avoir Assassination Classroom. En sachant que, ben voilà, tout le monde ne connaît pas Assassination Classroom, mais ceux qui veulent se lancer là-dedans, voilà, je les laisse. Donc, je ne vais dire et montrer aucune image, mais moi, perso, j'ai apprécié ce qu'il y a dans ce tome. J'ai même rigolé à certains passages. Enfin, j'ai pas rigolé comme ça, mais j'ai rigolé dans ma tête parce que c'est vrai qu'il y a certains passages, ils sont plutôt marrants et plutôt what the fuck même. Et c'est vraiment, vraiment cool. Alors, pour le prix de 6,95 €, bien sûr, j'ai pas peur de montrer le prix. 6,95 €, ça c'est vraiment avant qu'ils augmentent. Maintenant, je ne sais pas s'ils coûtent toujours ce prix-là, mais je sais que j'ai regardé à peu près tous les prix des mangas. Et c'est 7,10 € pour le reste, quoi. Donc, ils ont vraiment un peu augmenté. Mais voilà, c'est pas un impact énorme. Donc, j'ai eu fini le 8, je ne sais plus vous dire quand, mais ça m'a fasciné. Moi, ça me plonge dedans parce que normalement, on m'a dit récemment que normalement, on commence toujours par la série. Enfin non, on commence toujours par les mangas à lire et puis par la série. Moi je fais l'inverse, j'aime bien faire l'inverse parce que ben, vous savez, quand vous découvrez les mangas, quand vous lisez des mangas, il y a des passages qui ne sont pas dans la série, mais il y a aussi des passages qui sont de la série, forcément. Donc voilà, moi je préfère regarder la série de l'animé et puis lire le manga. Ça me paraît un peu plus logique parce que forcément on ne tombe pas sur des bons trucs. Donc voilà, j'ai fini celui-ci. Le 9e, je le commencerai très prochainement et j'ai déjà le 10 que j'ai eu pour Noël, je crois. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je n'ai que ça à dire. Et ben voilà, on est bon. Donc pour ceux qui veulent se lancer dans les mangas Assassination Classroom et pour ceux qui veulent se l'acquérir, je l'ai pris dans un magasin Club en Belgique. Maintenant, en France, il y a peut-être des magasins Club, je ne sais pas trop. Enfin, vous pouvez le trouver, je pense, dans n'importe quel magasin de manga. Il suffit de regarder et surtout le prix. Je ne l'ai pas payé si cher. Enfin, maintenant, c'est 7,10 €, mais avant, c'était 6,95 €. 6,99 €. 6,95 € pour les Français. Donc voilà. Sinon, ben voilà, c'est cool. Je kiffe. Je kiffe. Et puis, ben voilà. Bref, je vais pas non plus m'étaler sur un gros sujet sur le livre. Moi, j'ai dit mon ressenti. Il est cool, il est drôle. Si vous aimez bien ce genre de petit format là qui dure pas trop longtemps et que je dis mon ressenti, ben n'hésitez pas à me le dire. Et puis, ben nous, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. C'était Max 15. Et on se retrouvera demain pour un stream avec The Great Merlin, Sir Fenrir. Normalement, papa dessine parce qu'il a un petit souci au niveau de l'épaule, au niveau du bras. Donc, on va voir s'il est apte à jouer ou non. Voilà, sinon, ben, ce sera avec The Great Merlin et Sir Fenrir. Voilà, tout simplement. Donc, nous, on se retrouvera très prochainement. On se retrouve demain pour le stream à 21 h. Et puis, ben, moi, je vous dis ciao, ciao à tous.